Coucou mes petits hérissons, c'est Soj, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Tarim. C'est un jeu d'action, aventure, avec une connotation RPG, donc on va découvrir ça tous ensemble. Donc c'est un petit jeu, hein. Quand je dis petit jeu, c'est vraiment un petit jeu, petit niveau, petit budget. Il doit coûter dans les alentours de 5€ quelque chose, ou 6€ maximum sur Steam. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ma partie dans laquelle je suis rendu, et le jeu est en early access sur Steam, donc ce que vous allez voir à l'heure actuelle n'est pas totalement fini. Donc voici mon petit personnage, les niveaux sont créés par le développeur, et donc on va vite fait tuer le petit senteur qui me fait chier. Donc, éventuellement je vais soit pouvoir l'attaquer au corps à corps, ou soit, et mince je fais pop du monde, ou soit lui balancer des flèches. Donc là j'en ai 43 en haut et plus que 2 sur 20 ici. Donc, hop, par exemple, je vais balancer une flèche là. Et là, je vais le finir avec avec le corps à corps. Donc, vous avez un système de flèches. Et vous allez pouvoir changer entre les deux. Donc, je vais repasser sur les autres parce que j'ai plus qu'une grosse flèche. Après, si on part ici, donc vous avez vos stats. Donc, à l'heure actuelle, mes points de vie, mon XP, mes dommages, ma défense, mon agilité. Et puis, du coup, mes re-HP. Que je vais pouvoir réaugmenter dès que je vais pouvoir passer un level. Ça, on va pouvoir fermer. Mon or que je vais pouvoir éventuellement dépenser dans des magasins. Et éventuellement des clés qui vont me servir à ouvrir des coffres. À côté, on revoit sa barre de points de vie et sa barre de XP. Donc là, tout à l'heure, j'ai marché dans un cercle comme ceci là. Sauf qu'il visait proc des ennemis. Donc, on va s'occuper de ça. Et tiens, la petite flèche là-bas. Pof, merde. Ouais, oui, celle-là, elle fait pas beaucoup de dégâts. On va y aller au corps à corps, ça fait un peu plus de dégâts. Là, je l'ai orienté spécialement sur les dégâts, donc je fais pas mal de dégâts. Voilà, nickel. On est plutôt pas mal. Ah, et on a chopé un niveau. Donc, on va remettre 4 points dans les dommages, histoire de faire beaucoup de dommages. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa. Après, pour le moment, la durabilité est pas forcément super élevée. Donc là, j'ai appuyé sur un petit crochet, un petit levier. Donc j'ai éventuellement aussi un dash que je vais pouvoir utiliser. Donc là, j'ai plus beaucoup de pouvoir. Ah voilà. Et voilà, j'avais un deuxième levier qui était par ici. Donc normalement, j'ai dû activer la porte qui se trouvait être par ici. Et vous voyez, les cercles comme ça, ça va faire proc des ennemis. Donc là, hop. Ça va, les petits serpents, je les one-shot tellement que je fais des dégâts maintenant. Et ceux-là, pas encore. Mais en 3-4 coups, ça marche. Oh, attention, de l'or. On la récupère. Je pourrais éventuellement acheter des points de vie et tout et tout. Ouh, et là, attention. Ah, et un nouvel ennemi. Ça, j'ai jamais encore affronté. Comment ça va se passer? Ok, il fait pas spécialement mal, mais par contre, il balance des trucs. Ok, c'est fait. Donc là, point de vie, on est bien. Attention. Attention, il m'a mis une patate. Ok, attention. Là, il y en a un autre. Ouais, c'est bon, je suis pas mort. Par où faut que je passe? Attendez, on va faire un petit retour en arrière. Allez, c'est vrai que j'ai oublié que les monstres, ils reproquaient. Attention. C'est bon, il est mort. J'aimerais bien passer un level. Yes, c'est bon. On a up. On a retrouvé des points de vie. On va augmenter un peu notre défense. Comme ça, on va moins subir de dommages. Et là, on va essayer de se les refaire. C'est bon. J'ai esquivé son petit coup. Donc ça paye pas de mine, c'est plutôt sympathique. Je présume que là faut tous les tuer. Ouh, ceux-là sont plus résistants que la normale. D'habitude je les tue plus facilement que ça. Et là faut que j'aille par où du coup? Peut-être qu'il faut que je casse ça. Ah, il y avait un passage secret. Oh, un truc à savoir. C'est la première fois que je fais du coup attention à ça. Ça se trouve, j'ai loupé des passages secrets avant. Et j'ai plus beaucoup de points de vie.
Ah non, je suis mort. Bon bah c'est pas grave, on va pouvoir éventuellement réapparaître à notre checkpoint. Bien sûr, on va perdre tous les XP qu'on a gagnés. Donc ça c'est bon. Là, je vais pas trop avoir le choix. Ok, c'est bon. C'est bon, et on va tuer lui. Et il y a le serpent qui est par là-bas. Ok. On monte. On va essayer d'utiliser les flèches. Allez. C'est bon, tout le monde est mort. Donc là, c'est ok. Ouh, attention. C'est quoi ça? C'est bon, il est mort. Donc c'est quoi qui balance? Je pense que c'est ça qui doit balancer ça. Ouais, c'est ça. Ok. On va faire attention parce qu'on a plus beaucoup de points de vie. Non! C'est bon. C'est bon, il est mort. C'est bon, là aussi c'est mort. Là on peut pas passer pour le moment. Attention! Non! Ah non, je me suis trompé de sens. C'est pas grave. Attendez, on va faire revenir ça. On passe ici. Ah non! Là c'est bon. Allez, rebalance. Ah, je me suis pris le truc, j'ai trop attendu. Attendez, c'est, on change de machin. Paf. Là c'est bon. On reprend les petites C'est ok. C'est ok. Non! J'ai trop de... J'ai pas assez de points de vie. Comment que je vais me démerder? C'est ça la question. Ah, et j'ai foiré ma flèche. Je comprends pas pourquoi ça... Je dois être mal positionné. Attendez, on va essayer de la voir comme ça. Yes, c'est bon. Ah! C'est bon. Et je me suis pris un dégât bêtement. Ah! Mais non, c'est pas possible! C'est bon, il est mort? Non, il est pas mort. C'est bon. Ok, c'est ok. Attention. Non. Yes. Attention. Mais non, je pars trop tôt. C'est pas possible, Soy. Yes. Et là, c'est quoi ça? Bon, pas de point de vie malheureusement. Ah, oh là, il y a un truc. Ça doit être un soin. Je sais pas si c'est un soin. C'est peut-être pas un soin. Non, j'essaie de casser ça. Et là, ça traverse les murs. C'est de la merde. Yes! Level up! On va pouvoir... on va attendre. On va attendre avant de le faire. Ok, on a esquivé le coup. Ça c'est bon. Je sais même pas si c'est par là qu'il faut passer ou pas. Attention, qu'est-ce qu'on a fait, proc? C'est bon. Ça se passe bien. Là, qu'est-ce qu'on a fait ouvrir? On a ouvert là. Ok, les prisonniers. On a une clé par ici, on va aller la prendre. Nickel. Bah tiens, on va pouvoir
mettre 2 points dans les dommages, 2 points dans la défense, comme ça on va être un peu mieux. Donc c'est un petit jeu sympathique qui passe le temps, sans être pourtant exceptionnel. Bah il a son petit charme. Ok, donc là, est-ce qu'on peut passer par là? Donc là déjà c'est par ici, ça c'est sûr et certain. Sauf qu'on peut pas continuer à passer. Il nous manque une clé. Ok. Ok, là, il n'y avait rien par ici. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah. D'accord, là. Attention. C'est bon. J'ai vu la clé qui est par là. Ah, je pensais que je pouvais casser ça. Non, même pas. Je suis déçu. On est bon en point de vie. Avant de descendre, on va aller. Ah bah on peut pas. D'accord, c'est pour ça qu'on nous forçait à passer par là-bas. C'est parce qu'on pouvait pas. Qu'on va descendre. Attention, petit combat. J'ai bien fait de taper ça en premier. Par contre, un truc que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas changer ses équipements. Et ça, ça me chagrine un peu, on va dire. Et là, il y a une clé que j'ai dû louper quelque part. Et ben, je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y a peut-être un endroit que... Ouais. Non, ça ne marche pas. J'essaie. Là, c'est ok. C'est pas ça non plus. Ah, regardez, ça a disparu. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il y a certains trucs qui apparaissent en fonction de... Regardez là, il y a un truc. Ça se trouve, c'est juste des bugs visuels. Ouais. Bah, je ne vois pas. Je ne sais pas comment sortir. C'est pas grave. On va s'arrêter là. De toute façon, c'était une toute petite présentation que je voulais vous faire sur ce petit jeu-là. C'est pas un jeu forcément que je... auquel je jouerais des heures et des heures. Mais c'est un petit jeu sympathique qui a son petit charme, qui vous occupera un certain petit temps, une heure ou deux, je pense. Mais bah voilà, si vous pouvez l'avoir en solde, je pense que ça peut être un petit achat intéressant. À 2-3 euros, ça peut être intéressant. Mais là, moi, perso, je n'ai pas été forcément convaincu à 100%. Je vous fais des bisous. J'espère que la présentation vous aura aidé à vous convaincre, à vous décider sur ce petit jeu ou pas. Et je vous dis du coup à très vite. Bye bye. Ciao, c'était Soy. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.